Alors, bonjour les amis, je suis Carlos Moser, le citoyen du monde. Alors, j'essaie donc d'apporter ici une contradiction, mais alors ferme, aux déclarations de Philippe Simon. Philippe Simon, avec tout le respect vraiment que j'ai pour lui, hein, c'est-à-dire qu'il fait de très bons contenus, on le suit, on le regarde, il est construit dans les idées, c'est une tête assez pleine quand même. Alors, mais il ne peut pas, on ne peut pas le laisser déraper autant, n'est-ce pas? Philippe Simon, on peut comprendre, parce qu'on comprend dans l'esprit de la communication et du marketing, n'est-ce pas, de son événement qui arrive là, qui est un très bon événement d'ailleurs, Bartou Africa, qui est à Paris, là c'est quoi, c'est dans une semaine, et je pense que c'est une très bonne initiative. Et donc dans sa campagne publicitaire pour vendre plus de tickets, il faut qu'il réussisse, n'est-ce pas, à pratiquement blasphémer, c'est-à-dire à se porter la diaspora camerounaise de l'Amérique du Nord, je parle uniquement de celle-là, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Il estime que il interdit pratiquement, n'est-ce pas, aux Camerounais, de ceux qui quittent le Cameroun, de voyager, même comme il essaie de diluer en... Voilà. Non, non, Philippe, je vais t'expliquer. Parce que lorsqu'il dit que un Camerounais qui a 1000, qui gagne, lui a demandé, en fait, il nuance en disant que c'est un internaute qui lui a dit qu'il gagne 1 million au Cameroun et lui a demandé s'il peut aller, s'il doit aller s'installer au Canada pour suivre ses amis. Alors, et il dit que c'est une réponse qu'il a apportée. Non, personne n'est dupe, Simon. On sait que si tu vas apporter une réponse, tu dois aussi répondre par message là où le Camerounais t'a posé la question. Mais si tu apportes cela sur la place publique, ça veut dire que tu sais de quoi tu parles, c'est ce que tu fais, tu as un objectif. Mais tu ne vas pas l'atteindre comme ça là parce que. Et puis, tu exagères encore en disant après qu'il y a un autre Camerounais, curieusement, ils sont toujours tes proches. Le petit frère de la tante de ta grand-mère, vraiment la soeur de la cousine de ta nièce, c'est toujours les gens de ta famille qui échouent toujours dans ces projets de voyage. Alors que toi-même, toi-même, tu as quitté ce Cameroun, tu es installé désormais en diaspora. Mais tu dis aux gens de ne pas partir. Non, tu ne peux pas faire ça. Regarde, tu dis qu'il y a le cousin du frère ou c'est ton petit frère, l'ami a fait quoi? Qui lui travaillait à Perenco, c'était pétrolier au Cameroun, qui gagnait 2 400 000 et il est parti au Canada. Et actuellement, je dis, mais tu as rapidement précisé qu'actuellement, il travaille, il racle la neige sur les voitures, bien sûr, les cours des gens. Non, non. Déjà que ton actuellement là, il n'y a pas la neige actuellement au Canada. C'est l'été. Okay, il y a beaucoup de soleil. Même si vous regardez, il y a le soleil. Ce n'est pas la neige nulle part actuellement. Ok? Donc, je n'ai pas envie de dire que tu mens. Bon, un grand ne ment pas. Mais il dit que ce que tu dis n'est pas exact. Tu vois, pour rester gentil, ce n'est pas exact ce que tu dis. Et justement, il faut comprendre que lorsque on parle de l'immigration, il faut qu'on soit clair sur quelque chose. Nous ne parlons pas de l'immigration clandestine, celle-là dont on passe par le désert, la mer et tout. Dieu seul sait combien d'Africains meurent dans ça. Il y a d'ailleurs 39 morts récemment à Dakar, au Sénégal. On a rencontré le pleurer ses compatriotes-là. Donc, on ne parle pas de celle-là. Celle-là, c'est clair qu'elle est interdite. Mais tu ne peux pas interdire aux gens, de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire que quelles que soient les techniques que tu vas utiliser pour dire que non, je n'ai pas interdit, j'ai dit que tout le monde a le droit de voyager, mais non, non, tu ne peux même pas. Tu n'as même pas le droit de le dire. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que tu réussis à dire que lorsque c'est Camerounais, ces Africains, quel que soit ce que tu fais au Cameroun, quand tu arrives au Canada, tu vas gagner 3 000 $. Ça, c'est vrai. C'est le minimum que tu vas gagner. Mais tu réussis quand même à dire que l'État va te prendre 40% pour l'État, ce qui n'est pas vrai. 40% de 3 000, c'est combien? C'est-à-dire que si tu gagnes 1 000 $, on te prend 40%, c'est 400 $. Parce que si tu savais 600, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 40%. Tu peux nous présenter un bulletin de paye qui montre qu'on a pris 40%. Ce n'est pas 40%. Dans aucun pays, on prend comme ça. Il ne faut pas exagérer, non? Alors, c'est bien moins que ça. Ok? Nous y travaillons. Philippe, tu sais, tu ne peux pas vraiment. Les amis, envoyez cette vidéo à Philippe Simon. Parce qu'il faut qu'il comprenne quand même que les blagues ont les limites. Il peut blaguer, vendre ses tickets et tout, mais à un moment donné, quand même. Déjà que j'espère qu'il sait qu'aucun Camerounais qui veut vraiment voyager. Il peut l'écouter. Tout ce qu'il dit là, c'est du blablabla. Mais vraiment, quelqu'un qui a dit qu'il a eu là. Le cas qui part. Le cas, il va partir. Tu vas rien. Tout ce que tu dis là, ça ne va pas passer. Ok? Donc, quand Philippe le dit, il faut savoir que, un, Philippe n'a jamais vécu en Amérique du Nord. Il est parti du Cameroun, il a vécu en France, où il a fini ses études, il a travaillé. Il va en Amérique du Nord une semaine, 2 jours, 2 semaines, 1 mois, il rentre. Donc il n'a jamais travaillé, il n'a jamais eu de numéro de sécurité sociale en Amérique du Nord, donc il n'a jamais travaillé. Vous savez donc que les choses qu'on te dit, même si c'est ton petit frère qui te dit, les choses qu'on te dit sont différentes de ce que tu as vécu. Un historien qui t'explique la guerre du Maquis au Cameroun, qui a étudié, qui a lu les livres, qui a étudié, qui t'explique ça, son explication va être différente du roi Sokoudjou, qui lui a vécu. Parce que tu vois Sokoudjou, Sokoudjou t'explique ce qu'il a vécu, avec toutes les émotions qui vont avec. Ok? Ça va être différent de ce qu'un grand historien, professeur, agrégé, politologue va venir t'expliquer. Il y aura toujours une différence. Donc Philippe ne peut pas expliquer, lui, pas des choses qu'on lui a dit.
On lui a expliqué qu'au Canada, on fait comme ça, en Amérique, on fait comme ça là. Et il y a tout son panel là, toujours les petits copains, les amis qu'il a triés sur le volet. Et puis voilà, ils s'entendent et puis ils viennent voilà, pour des objectifs qu'ils veulent. On respecte ça, vous avez vos objectifs. Ok, donc, tu ne peux donc, tu dis des choses qu'on t'a aussi dit. Nous, on vit là, on travaille là, on voit. Ok, donc, il faut savoir que l'immigration dont tu dis que les gens ne doivent pas immigrer. Moi, je dis que même quelqu'un, parce qu'il a même fait fort, il dit que si un Camerounais qui gagne 300 000 francs CFA, il doit rester au Cameroun pour investir. Mais sauf que, parce que c'est une cabale qu'il a commencé depuis pratiquement 2 semaines. Et il a nié sur le plateau de, et il a couronné avec le plateau de Canal 2 hier, plateau sur l'émission La Reine, comme j'ai dit, où il a confirmé ça et tout. Déjà que Roger Tonguet, qui est le présentateur de l'émission, c'est vrai, il s'est battu comme d'habitude, il est professionnel et tout. Et puis le contradicteur aussi, je crois, il s'appelle celui qui est venu faire le duel. Okay? Lui aussi, il a un peu fait, mais les deux journalistes étaient complètement perdus pendant l'émission. Pour ceux qui ont regardé l'émission, ils étaient perdus. Soit ils n'ont pas préparé l'émission, soit je ne sais pas. Mais vraiment, ils n'ont pas. Donc le gars, il s'est senti à l'aise sur le plateau, il a dit des choses qui ne tiennent pas la route, il a essayé de les convaincre facilement, et puis tous sont tombés. Donc ce que je vais dire, donc, c'est que l'immigration que vous voyez là, même au Cameroun, même si vous gagnez 3 millions, parce que lui, il a dit que 300 000 francs CFA, tu peux rester au Cameroun et investir et tout. Sauf que, Philippe Simon nous explique que la chose la plus importante dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat au Cameroun, et ce dont beaucoup n'y travaillent pas, c'est comment multiplier le budget d'investissement, le fonds. C'est-à-dire qu'il a pris des exemples du genre, il y a quelqu'un qui a commencé avec 3 poulets, après 5, après 10, après 20, et les familles sont venues contribuer donc pour augmenter le capital. Voilà, comment fructifier le capital, comment multiplier le capital. Il estime que c'est ça le problème, que dès que tu sais, même si tu commences avec 10 000 francs, si tu sais comment multiplier ton capital, c'est le plus important. C'est pas le plus important, Philippe. Non, le plus important, c'est la garantie et c'est la sécurité de ce que tu fais, de ton business. Est-ce que tu es dans un contexte de où c'est, tu es en sécurité? Et dont ton investissement est également, tu as la garantie de cette sécurité-là. Est-ce que ces conditions sont réunies? La réponse est non. Parce que Philippe, qui passe en tant que membre de la diaspora, il fait une émission d'1h30, en aucun moment, il ne parle du problème de la double nationalité qui peut faciliter les investissements au Cameroun. Alors quand quelqu'un donc, qui se dit être de la diaspora et qui en aucun moment, dans une interview, dans une telle grande audience, ne parle de ce problème, tu comprends qu'il y a un problème quelque part quand même. Pas qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part, Philippe. Ok? Alors, pour vous montrer donc comment la nature fait les choses. Lorsqu'il finit de dire ça, il part donc de Yaoundé pour aller à Douala. Il réserve son vol Cameco et patatra. Il arrive à l'agence, à l'aéroport de Yaoundé pour aller à Douala. Et il a payé son billet. Pendant que il a fait une autre vidéo où il nous explique ça. Pendant que Laurent avance, il y a une femme devant lui et à un niveau, c'est-à-dire que les gens sont entrés dans l'avion. Après, il y a une dernière femme devant lui et il est juste derrière la femme, il y a encore les gens derrière lui. Et un agent vient leur dire que l'avion est plein. Et l'avion est plein. On ne peut plus voyager. Vous voyez ça? C'est ça. Voilà les problèmes du pays. Bon, je n'ai pas un problème avec le pays. Moi, j'y vais chaque fois. J'étais encore en chier là. J'y vais encore. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que Philippe, en aucun moment, n'a parlé des réalités. Pour lui parler de l'argent, l'investissement, il fait comme si dès que tu fais là, ça passe, il n'y a aucun problème. Voilà un problème sérieux dont il a été confronté. Alors tu imagines donc quelqu'un qui a donc investi, qui va comme ça rencontrer des investisseurs à Douala, qui a un rendez-vous, le vol était c'était le matin. On te dit que non, revenez plutôt à 13h pour l'autre vol. Si ton rendez-vous était le matin, alors parce que le vol c'est 25 minutes, tu n'étais pas là. Parce que Cameco n'a pas décollé, ou alors en fait, a réduit, a bloqué certaines personnes qui avaient déjà payé le ticket. C'est ça les réalités du pays qui empêchent l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement une affaire de capital, une affaire de fructifier ton capital. C'est pas ça le problème. Ça même c'est rien. Parce qu'il y a des gens qui vont te soutenir, te donner. En aucun moment tu n'as supplié, même nos autorités, de faciliter l'entrepreneuriat. En arrangeant, quelqu'un qui prend son argent, 10 millions, 20 millions, 50 millions, il part, il investit peut-être des hectares de champs de plantain. Comment il fait pour que ça arrive à Yaoundé, à Douala, même au port, pour expédier? On a un problème de route. Ce sont ces conditions qui ne sont pas réunies. Ce n'est pas seulement un problème de capital, Philippe. Non. Voilà l'avion qui t'a abandonné à l'aéroport. C'est ça les problèmes qui doivent être résolus. Tu as le capital, tu as 100 millions. Si les conditions ne sont pas réunies, tu fais comment? Si la justice, tu n'es pas sûr que tu vas gagner un procès, parce que quand tu fais l'entrepreneuriat, forcément, tu auras fait la justice. Tu n'es pas sûr de gagner un procès dans lequel tu sais que tu as raison, parce que quelqu'un va te le faire perdre parce qu'il connaît X ou Y personnes au ministère. C'est un problème. C'est ça qu'il faut résoudre. C'est ça que je parle de la sécurité. Ok? C'est de la sécurité, c'est ça que je parle. Les Camerounais n'investissent pas, préfèrent voyager parce qu'ils se posent la question
ils ne sont pas en sécurité. D'où donc je dis que même si tu gagnes 3 millions de francs CFA au Cameroun, à la seconde, à la tierce où tu as une opportunité de voyager, d'immigrer légalement, il faut partir. De préférence, tu pars et maintenant, après 2, 3, 4, 5 ans, tu peux maintenant revenir investir. Parce que tu auras un certain niveau de lecture. Oui, tu auras grandi, tu auras vu un nombre de choses autrement. Et tu auras déjà le dollar qui est un peu plus élevé. Que quand tu vas le transférer au Cameroun, il va être beaucoup plus de millions. Et ça va t'aider. Mais pas de dire que tu as tes 300 000 francs CFA, tu t'engages dans un environnement complètement bloqué à plusieurs niveaux. N'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que les gens voyagent? Pour moi, pour investir au Cameroun, il faut être. C'est-à-dire pour rester, il faut gagner autour de 5 millions le mois. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes les 3 millions le mois, quand je parle de la sécurité, je parle bien de la sécurité. Pas la sécurité policière, non, pas seulement celle-là. Si, elle aussi. Mais la sécurité, en dehors de la sécurité policière, il faut avoir la sécurité financière, la sécurité bancaire, la sécurité même environnementale. Il faut ces différents éléments-là. Ce sont tels qui vont te permettre d'investir et de rester là. Parce qu'avec tes 3 millions que tu gagnes au Cameroun, tu n'es pas en sécurité. L'entreprise dans laquelle tu travailles peut fermer du jour au lendemain. Bien sûr, si tu gagnes 3 millions, tu as une sérieuse maladie. Vraiment, je vous souhaite pas ça. Tu as une sérieuse maladie. Tu vas t'en sortir? Tu n'as pas la sécurité sanitaire. Il y a ces différents types de sécurité qu'il faut avoir. Et lorsque tu demandes aux gens de ne pas aller, regarde ton événement qui est à Paris là. Back to Africa. Mais pour back, il faut d'abord go, non? Comment tu dis de ne pas partir et maintenant tu fais back? Tu organises back, tu gagnes beaucoup d'argent sur un tel événement. C'est un bon événement. Et puis maintenant tu organises un truc pour back et tu gagnes de l'argent dans ça. Mais pourquoi il y a la deuxième, troisième, dixième, vingtième édition? Il faut que les gens partent d'abord. Et là maintenant ils vont back et tu vas gagner de l'argent. Comment tu demandes de back? Parce qu'ils sont partis. Tu leur demandes de back. C'est un événement essentiellement pour la diaspora. Alors comment donc tu vas faire la quatrième édition, cinquième, dans 20 ans? Tu vas faire comment? S'ils ne sont pas partis, il faut qu'on parte d'abord pour qu'après tu organises le back. Tu nous expliques comment il y a des opportunités, comment on peut financer, comment on peut entrer, prendre des actions dans les entreprises. Parce qu'on est d'abord go. Before you back, you have to go first. Right? You have to go before you back. Ton back là. Bon, si tu veux faire le back to Africa, tu vas donc faire. Tout le monde va donc back à la première édition. Tu vas donc rester qui? À qui tu vas demander de back? Tu vois qu'il y a une contradiction même sur toi-même. Les gens veulent back. Il faut d'abord qu'ils partent, non? Donc, Philippe, ne demande plus aux gens n'empêche plus les gens de partir. Parce que tu le dis certes, mais il y a des gens de faible esprit que tu peux impacter. Tu peux dire ça convainc les gens, l'infamie, ça empêche quelqu'un de donner, d'aider quelqu'un à partir. Ça lui dit non, Philippe, si moi, dit que tu as plus de millions d'abonnés. Il dit que non, Philippe, si moi, dit qu'il ne faut pas partir, c'est pas bon, reste ici là. Et ça bloque des générations et des générations. Il faut s'en sortir. Ok? Donc, il y a ça. Nous parlons bien de l'immigration légale. Ceux qui réussissent à avoir le permis de travail à partir du Cameroun pour aller au Canada, il faut partir. Ceux qui réussissent à avoir la résidence permanente, il faut partir, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Parce que lorsque tu les as et que tu pars, il y a... Alors, écoutez, Philippe nous dit que les gens vont là-bas et souffrent. Et c'est lorsqu'ils veulent rentrer, ils achètent des vêtements neufs, ils achètent... Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Il n'y a aucun Camerounais qui souffrait au Cameroun et qui est allé légalement en Amérique du Nord et qui souffre plus qu'il ne souffre au Cameroun. Il y aura toujours des petites souffrances d'adaptation, d'intégration, mais après ça passe. C'est pas comme si on n'a pas dit que dès que tu arrives, non. Parce que le monsieur dont tu dis qu'il gagnait 2 400 000 à Perrinco et il est allé au Canada et il rase la glace. Supposons que c'est vrai, mais il vient d'arriver. Les 2 400 000 qu'il y a au Cameroun là, dès qu'il est sorti, il a commencé à gagner ça directement. Il y a les étapes qu'il a traversées. Et si tu racontes même le fond même de comment il a eu ça, c'est plus compliqué. Ça va être plus facile pour lui d'atteindre ses objectifs étant au Canada. Il peut raser même la glace, comme tu dis, pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. S'il est allé légalement, je parle bien de l'immigration légale, permis de travail, par résidence permanente, et qui sait encore, et tout ce qui existe, il y en a beaucoup. Alors, il va travailler. Pour le cas de l'Amérique, ceux qui partent avec la résidence permanente, ils ont tous les droits comme un Américain. La seule différence, c'est qu'ils ne votent pas. Ils ont tout le reste, ils ont tous les bénéfices, l'assurance maladie. Même si vous êtes venu en famille, même 20, vous avez tous les assurances maladie. Vous ne payez même pas pour le début. Jusqu'à ce que vous commencez à travailler l'argent, jusqu'à atteindre un certain seuil, c'est un montant, avant qu'on vous suspende ça. C'est pas comme si les gens... Mais c'est pas croyable, Philippe Simon. Non, je tenais à faire cette vidéo pour réexpliquer les choses. Et il y a un autre sujet qu'il a attaqué, il a dit que les gens qui vont avec les diplômes, ils ne travaillent avec les diplômes là-bas ne servent à rien. Non, Philippe. Non. C'est pour ça que j'ai dit que tu n'as jamais vécu là-bas.
tu as jamais travaillé là-bas, tu as jamais eu le numéro de sécurité sociale, tu as jamais eu une carte d'identité de l'un de ces pays-là. Tu arrives et tu repars. Les diplômes qui ne passent pas en Amérique du Nord sont les diplômes professionnels, comme les BTS, les licences pro, les masters pro, tout ce qui est pro, là, les BTS, là, tout ça, là, c'est ça qui ne passe pas. Mais si tu as ta licence à l'université publique, que tu as fait l'université de Douala, l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2, tu as fait l'université de Bétoua, c'est pas l'université de Bolova qu'on a créé, tout ça, la Bamaroua, l'université publique, que tu as eu tes diplômes par le système LMD normalement, sans passer par les établissements, on dit annexe 2, on dit l'université partenariat, non, que tu as fait l'université, vraiment l'université, tu as ton diplôme, il passe. Tu arrives, tu fais les équivalences des diplômes. Comment tu peux dire que les diplômes ne passent pas? Comment tu peux dire ça? Tu dis ça comment? Tu dis ça comment? Les gens font comment? Mais je comprends pas. Tu dis que les diplômes ne passent pas. Le bac il passe. Comment tu dis que les diplômes ne passent pas? Tu as dit ça à la télé hier, à Canal 2, dimanche, à la Reine, que les diplômes ne passent pas. Il faut recommencer tout à zéro. Comment tu dis ça? C'est pas vrai. Les seuls diplômes qui ne passent pas sont les diplômes professionnels. Et même les diplômes professionnels, là, il y a certaines écoles qui les acceptent même. Oui. Certaines écoles les acceptent. Donc ne dis pas, il faut vraiment, vous savez, quand on parle sur la place publique, il faut soit bien se renseigner, ou alors tu es vraiment dans ton élan de, comme tu veux vendre tes tickets, comme j'ai dit, il faut vilipender la diaspora de l'Amérique du Nord, parler n'importe quoi, dire tout ce que tu veux. Non. Donc, je voulais apporter donc cette contradiction, voilà, c'est une contradiction vraiment à notre compatriote Philippe Simon pour lui dire non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un veut voyager, laisse-le partir. Même si quelqu'un gagne 3 millions, moi, je conseille vivement à quelqu'un qui gagne même 3 millions de francs CFA au Cameroun, à la minute, à la seconde où il a l'opportunité de voyager légalement en Amérique du Nord, qu'il parte. Parce qu'il va gagner plus que ça en peu de temps. Je dis bien en peu de temps. Dans tes l'une de tes vidéos, tu as dit que ben, pour ceux qui le font pour des raisons de voyage, ils peuvent rester au Cameroun, que le voyage, ce n'est pas un problème de passeport. Parce qu'il y en a d'autres qui vont pour avoir la nationalité, pour avoir le passeport. Tu as dit qu'ils veulent voyager, avoir le passeport et se déplacer beaucoup. Qui peuvent rester au Cameroun, travailler beaucoup d'argent et voyager. Tu fais comme si beaucoup d'argent là, entre le temps de travailler beaucoup d'argent au Cameroun et le temps de faire pour avoir le passeport là, tu sais, est-ce que tu as équilibré ça? C'est pour ça que tu n'as jamais vécu là-bas. Tu as la résidence permanente au Canada, tu as le passeport canadien en 3 ans. Est-ce qu'en 3 ans au Cameroun, tu peux avoir cet argent là, jusqu'à voyager, aller partout? Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Ça dépend des domaines, c'est vrai, mais ça va être difficile. Si tu fais 3 ans, l'argent que tu as accumulé, tu peux voyager partout. Et l'argent fini, tu fais comment? Alors que 3 ans au Canada, tu as le passeport canadien, il est dans ta poche à vie. Tu vas avec, même si tu n'as pas l'argent, tu vas même à crédit. Tu as le passeport canadien, même à crédit, tu vas payer quand tu vas rentrer. Oui. Donc, ne dis pas. Et pour le passeport, même si tu as l'argent, quand il parle de la sécurité des pays, comprends bien. Je parle de la sécurité. C'est ça que les gens qui voyagent cherchent. Richard Bona, tu connais l'histoire de Richard Bona, son passeport camerounais, non? Est-ce qu'il avait besoin d'argent? Il avait déjà l'argent. Il était au Canada, il était en Amérique, il avait déjà l'argent. Mais là, il est promis avec son passeport camerounais. Parce qu'il est arrivé dans une frontière, c'est en Hongrie ou c'est dans quel pays? On l'a bloqué pour une histoire de son passeport. Je ne reviens pas sur l'histoire. Il a raconté, c'est sur sa page. Et on appelle l'ambassade du Cameroun. Celui qui décroche répond que mais si on l'a arrêté, c'est parce qu'il a fait quelque chose, non? Où est la sécurité? Où est la sécurité diplomatique? Même s'il a fait quelque chose, on le sécurise. Tu vois, quelqu'un qui a un passeport canadien, américain, par une frontière, on l'arrête. On appelle l'ambassade américaine la plus proche. On dit ça? On n'a pas dit ça. Donc arrête de. C'est pas moi. Dans le passeport américain, il y a un paragraphe. C'est pas moi, c'est en troisième de couverture qui dit que, qui s'adresse aux autorités du monde. C'est écrit dans le passeport américain. Il y a un paragraphe qui dit que, j'essaie de traduire ça, parce que je n'ai pas exactement les mots. C'est écrit en français, en anglais et en espagnol. En troisième de couverture, je crois bien. Ça dit, quel que soit le problème que le titulaire de ce passeport a fait, vous avez l'obligation de le sécuriser et de contacter l'ambassade américaine la plus proche. Point. Signé le secrétaire d'État américain. Tu comprends un peu? Tu comprends? Tu fais comment pour équilibrer le passeport américain, canadien, avec l'argent et le passeport camerounais? C'est-à-dire que tu as 1 milliard, le passeport camerounais, et celui qui a le passeport américain ou canadien, tu peux choisir quoi? Donc, c'est sans complaisance, sans parti pris. Donc, je voulais apporter donc cette explication, cette contradiction à Philippe Simon pour lui dire non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que les gens qui sortent, qui voyagent, parce qu'ils n'ont pas la sécurité diplomatique, financière, la sécurité des banques, sécurité sociale, sécurité environnementale, toutes les formes de sécurité. Et c'est ça qu'il fallait demander. Tu avais l'audience hier à la Reine. C'est ça qu'il fallait demander aux autorités camerounaises de nous aider dans ce sens-là. En commençant par la double nationalité, de la valider. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'il fallait faire. Et ça va. C'est ça qui va booster l'entrepreneuriat. Les docteurs, médecins, ingénieurs qui sont pleins à l'étranger, ils vont venir investir. On a les gens avec lesquels on discute, ils veulent venir investir. Mais on se pose la question, tu vas venir avec un blanc. Entre guillemets, tu vas venir avec un blanc. Arrivé là, il va être frustré. Il va voir de ces choses, il va voir les routes qui ne sont pas bonnes, il va être confronté à ce nombre de choses. Tu vas quand même trouver les problèmes.
tu vas transpirer même comme ça alors que nous sous la pluie. Donc ça qu'on cherche un peu, ok? Voilà. Donc vraiment, je voulais apporter donc cette contradiction à notre compatriote pour lui dire que voilà, donc c'est ça le problème. Le problème n'est pas de dire de ne pas voyager. Laisse les gens voyager. Les gens doivent même voyager. Encore que quelqu'un qui gagne 3 millions ou 1 million, lorsqu'il voyage, il laisse la place à un chômeur. Ou quelqu'un qui avait 2 millions, qui monte, ainsi de suite, il va finir par avoir un chômeur qui a le travail. Donc, plus les gens voyagent, plus le chômage baisse au Cameroun. Oui. C'est par exemple une absurdité que je ne comprends pas, cette affaire que le gouvernement a interdit aux fonctionnaires de voyager. Le Cameroun a les fonctionnaires sont... le Cameroun est le premier employeur. Je veux dire le gouvernement, l'État est le premier employeur, avec plus de 300 000 employés. Bon, même si les 300 000 voyagent tous, mais on prend 300 000 chômeurs, on les remplace, non? Et ce sont les diplômés qui manquent au Cameroun. On les remplace automatiquement. Cette affaire, tous ces moyens qu'on a mis dans nos frontières, dans les aéroports, que tu arrives, on met ton nom, si tu es fonctionnaire, ça déclenche et on te fait rentrer, il faut que ton gouverneur signe une autorisation, patati patata. Ce sont des poches de corruption qu'on a créées déjà même dans les services de gouverneur, dans cette affaire-là, pour avoir ces documents. Maintenant, tous ces moyens qu'on a mis dans les aéroports, là, on peut utiliser ça pour creuser les forages partout, à l'extrême, à Maroua et tout, et laisser les fonctionnaires voyager. Un fonctionnaire qui voyage, on le remplace. Aussi simple que ça. Et le chômage baisse. C'est compliqué à quel niveau? Pourquoi on bouge les gens en payant de voyager? Je sais pas. À quel niveau est-ce que c'est bloqué? C'est compliqué. Parce qu'en voyageant, on va toujours envoyer l'argent au pays. Ça va parler ailleurs. On va toujours envoyer l'argent au pays. Et on va toujours prendre les vols pour venir au pays. Je vais au pays au moins deux fois par an. Le vol que je prends là, l'État prend sa part de taxes dedans. Tu vas au Cameroun, tu dépenses l'argent avant de rentrer. Tu dépenses à moins de 2 millions avant de ressortir. Donc, je sais pas, je comprends pas pourquoi on peut interdire aux Camerounais de voyager. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contradiction par rapport à tout ce que tu as dit depuis 2-3 semaines. Tu fais ces vidéos-là, tu les enchaînes et puis tu as couronné avec ton passage à l'arène où tu n'as même pas mentionné la nationalité. Tu n'as pas interpellé les autorités pour qu'ils nous aident sur aucun domaine. Tu as plutôt dit des choses, dit que voilà, les Camerounais ne lisent pas, il y a les impôts, il n'y a pas les taxes sur les importations des produits, des industries. Non, non, non. Ça c'est une mention qu'il y a fabriqué. Les Camerounais lisent. Les gens qui passent le temps à dire qu'ils ne lisent pas, les Camerounais lisent. Arrêtez de dire qu'ils ne lisent pas. Ils lisent. À la librairie des peuples noirs, à Yaoundé, montée SNI, il y a les dédicaces. Allez prendre le programme des dédicaces. Il y a des dédicaces là-bas chaque semaine. Les Camerounais écrivent. Si on ne lisait pas, on devait écrire. Mais ça, il y a un livre, le professeur, tu donnes le nombre de livres qu'il écrit par mois. Tu ne vois pas? On écrit partout. Les gens écrivent. Les Bojicons ont écrit, on ne stoppe pas le vent. Il était à Dallas avec lui, où il disait que son livre a été le livre le plus vendu les 12 derniers mois au Cameroun. Les gens écrivent, les Bretagnes écrivent, mais les qui n'écrivent pas? Ils écrivent tous les jours. Pourquoi les gens lisent? Les Camerounais lisent. Arrêtez de dire qu'ils ne lisent pas, ils lisent. Arrêtez d'accuser toujours les Camerounais, le peuple qui est en train de souffrir, vous l'accusez encore. Non. Philippe Simon dit encore que les Camerounais, c'est parce qu'ils boivent beaucoup. Non. Même boire là, c'est vrai. Je suis d'accord avec certaines personnes qui pensent qu'on doit baisser le niveau de boisson au Cameroun. La bière et tout. Oui, je suis d'accord. Mais, attention, le Cameroun boit plus que qui? Le Cameroun n'est pas parmi les 5 pays les plus qui consomment le plus l'alcool dans le monde. Hein. Pensez que le Cameroun boit plus que les Polonais. Pensez que le Cameroun boit plus que les Allemands. Pensez que le Cameroun boit plus que les Américains. Ces pays qui sont cités là, le Cameroun les dépasse avec quoi? Dites-moi, parce qu'on boit que le Cameroun, qu'on n'arrête pas les routes, parce qu'on boit qu'on ne fait pas quoi? Qu'on emploie, qu'on ne crée pas d'entreprise. Mais dire que les gens qui sont censés le faire ne le font pas. On boit plus que qui? Plus que les Polonais, plus que les Allemands, plus que les Américains. Non. Donc laissez cette affaire que c'est parce que les Camerounais boivent beaucoup, il faut... Non. Arrêtez d'accuser les Camerounais qui sont déjà à bout. Ils peuvent boire comme ils boivent là, mais s'il y a de l'emploi, ils vont travailler. Il y a des gens qui travaillent même quand ils sont sous, c'est pas ça. Il y a les types de boulot même que pour travailler même, ils font tout sous. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme petite contradiction par rapport à tout ce que Philippe Simon fait depuis 2 semaines et couronné par cette émission qu'il a donc passée hier à Canal 2. Donc vivement qu'il se retrape, il se contente de son événement, qu'il fasse la communication de son événement, le marketing tranquillement, il vend ses billets sans chercher à bousculer la diaspora de l'Amérique du Nord parce qu'elle travaille, elle fait ce qu'elle peut et tous les Camerounais qui sont au Cameroun, qui veulent voyager, si vous avez l'opportunité de voyager légalement, voyagez. Laissez le travail que vous faites. Quelqu'un d'autre va l'occuper, ça va baisser le chômage au Cameroun. Ok? Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Envoyez cette vidéo à M. Philippe Simon de Investir au pays. Parce que c'est à lui que je réponds et à tous ceux qui sont, tous ces pros, ceux qui sont pro Philippe Simon et pro Investir au pays, qui était un très bon concept. Hein, un très bon concept. J'ai pas pu aller à l'événement de Paris pour des raisons de rentrée scolaire, des familles et tout. Vous savez, parce que pour moi, je peux lui donner un conseil. Il faut décaler cet événement, mettre ça au mois de juillet. Parce qu'en juillet, le monde entier est en vacances.
Mais bon, il connaît sa cible. Donc, quand il met ça en septembre, c'est à l'école partout. Donc, les gens peuvent facilement se déplacer et tout et tout. Mais en juillet, tout le monde est en vacances. Donc, voilà. Ah bon, après, je ne sais pas si. Donc, il est, je crois que pour les raisons, pour le marketing et la publicité, marketing, communication de son événement, il s'est donc retrouvé à mélanger les pédales partout et faire tout ce qu'il est en train de faire là. Mais s'il nous aurait contacté, on peut lui apporter des conseils sur le cadre, dans le cadre du marketing et de la communication de son événement et lui expliquer comment communiquer autrement sans heurter les gens. C'est simple que ça. OK. Allez, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle santé. Au revoir.